vos pensées tournent vers Dieu en prière. Nous allons chanter avec le docteur Jonas ses cantiques. Il est important. Nous chantons ça dans la pensée de la prière. Vous voyez la grandeur de Dieu, vous voyez les capacités de Dieu, vous voyez ce que Dieu peut faire pour nous ce soir, exclusivement pour vous ce soir. Nous allons chanter ensemble. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici le temps nouveau, chantons Nous croyons à notre délivrance.
Donc tu es là, Seigneur. Nous croyons que tu nous enseigneras ce soir. Nous recommandons sous ta grâce. Seul et uniquement ta grâce. Qu'elle agisse. Que cette grâce agisse. Que cette grâce soit l'œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous acclamons fortement. Merci. Que l'éternel Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est une grande joie de vous retrouver au devant du Seigneur. L'invitation la plus précieuse, c'est de se retrouver devant le Seigneur. C'est l'écriture qui les certifie. Heureux le peuple que Dieu a créé en sa présence. Heureux le peuple que Dieu admet en sa présence. Tant que nous sommes venus là, ne voyez pas les docteurs Jonas. Ne voyez pas le frère Jean-Pierre. Ne voyez pas celui qui est à votre côté ni à votre droite. Dites-vous que moi, je suis venu chercher Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Et quand vous le concevez comme cela, et je suis très convaincu que vous ne retournerez pas près de Dieu. Il y a quelque chose qui se passera. Parce que la présence de Dieu, c'est comme la présence de l'âge. Quand l'âge est dans la maison d'Obed-Edom, voulu ou pas, parce que l'âge dans cette maison-là, il sera béni. Voyez encore, quand l'âge est devant Dagon, voulu ou pas, Dagon va tomber. Comme devant, tu es devant la présence de Dieu, les quelques petits combats qui t'acharnent là, qui te suivent, sois sûr, et ça là, la victoire est de ton côté. Sois très sûr que la victoire est là. Et que Dieu vous bénisse. Nous prenons les textes pour écouter la pensée de Dieu. Nous allons lire pour ce soir. Notre texte de base, et nous en ajouterons d'autres. Nous lisons Deutéronome chapitre 24, verset 19. C'est notre texte de base. Deutéronome 24, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu moissonneras dans ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, et qu'aux alapons en compagnie, pour l'orphelin et pour la veuve, et qu'aux alapons en moine en étiquet, et qu'aux alapons en moissi à couper le mobile, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Pour Yahou et Zambé, à Pambolayo, dans mon Sagno, sort Yamabokolayo. Parole du Seigneur. Nous ajoutons un autre texte. Nous allons dire qu'il s'agit comme nous sous. Genèse chapitre 7. Mon canard est mané là. Cette lecture est un peu longue.
Je demande votre attention. Genèse chapitre 37, verset 1er, verset 11. Amen. Jacob demeura dans le pays de Cana. Jacob, avant d'acquérir le pays à Cana, où avait séjourné son père. Bisika tata na yepe avant d'acquérir. Voici la postérité de Jacob. Point. Suivez. Tala okitani à Jacob. Joseph. Joseph. Âgé de 17 ans. Akoki simula 17. Faisait paître les troupeaux avec ses frères. Abanaye komoko la pipuele na madekolri. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Mwatoyo, azaki pene ya bana ya Bila, pe bana ya Zilpa, basi ya tatanaye. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Joseph, abanaye komema eba tata maluba na bango ya mabe. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Israël, Oisa Jacob, Aïda Kimingi, Joseph, Olekabana Naemu, Suskanaemo, Aïda Kimingi, Joseph, Olekabana Naemu, Sus. Parce qu'il avait eu Joseph dans sa vieillesse. La paix, c'est raison. Et sa peau, Apontaki Joseph n'a kibo pakanaye. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et les mosiko ya bolimo. Et ça, a salé et la mamoko ya malangi ebele. Ses frères virent que leur père aimait Joseph plus que eux tous. Bande konaye, bande kwa Joseph. Ba moni tata na bango. Aïni mingi Joseph, olekabamoni onso. Et ses frères prirent Joseph en haine. Bandeko ya Joseph, basui ni kounia, polandeko na bako. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Bakorai soute ko solanaye na monte ma malambo. Joseph eut un songe. Yoka. Joseph a du doton. Et il le raconta à ses frères. Apeteli bandeko na ya mibali. Solo. Et ses frères les haïrent encore davantage. Le pola déjà, et si ma yina qui est, pola bolimo koleka, non to paye ko sala ke ba yina ni sosu mingi koleka. Il leur dit, alobi la mamboboye, écoutez donc ces songes que j'ai eu. Boyo kando to na tsui. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Tosalaki a kakat de landa kokanda biloko yabilanda. Et on va venir ma gerbe. Et voici, Tala, ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. L'époque a biloko et landa ongana bukaki et telemi mbe et sembwami. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Yabinope ma boke yabiloko bokandaki et zingi oyangai. Mbe. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Yo, oko konza biso. Est-ce que tu nous gouverneras? Yo, oko kamba biso. Et il les haïra encore davantage. Combien de fois maintenant? Troisième fois. Vous avez échoué. Troisième fois. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Bonanoto. Avant c'était à cause du songe, mais ici c'est à cause du songe et à cause des paroles. C'est important dans l'évangile éternel. Ah. Et il y a encore un autre songe. Et ce qui était à une autre source. Et il les raconta à ses frères. Aïe, ce que va déconner. Il dit aux autres, ça va au cas, n'a pas le macaque. Pourquoi il n'a pas le macaque? Et tonna, va soit le foutu à quoi il n'a pas le macaque. Allez, Joseph me dit, allons-y, boy. J'ai eu encore un songe. La vie sous son dos. Et voici, Tala, le soleil, la monnaie, mouille, la lune, Santa, et 11 étoiles, ils ont un son bien amour. S'est prosterné devant moi. Ils ont bumba malibo solanaï. Il les raconta à son père et à ses frères. Yambalo yokara, avec la kina, mais konaï disolo. Mais Yambalo a bêté sous papa la mambo. Son père le réprimanda et lui dit, pa
papa mélié à l'Iboye. Que signifie ce songe que tu as eu, Batoto Yosué Nicolmani? Que faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, et Zosena? Nandengi yotoko ne Batoto. Ngai, nabande konayo. Toya. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, et Zosena que ngai, bande konayo. Na maman na yo. Toya, nous prosterner en terre devant toi. Tu as compris ma mère yo? Na komi kitsaka. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Ah, et ça va dans la vie. Bande konaye, balati sikolo li kounia. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Yoka. Bande konaye en vie, mais papa a gardé souvenir. Ah. Papa a su invité. Le père n'a pas été là. Mais papa s'aligné. Qu'a fait le père? Gardez souvenir. A pas de télévision. C'est ça. Donc c'est chaud. Et au soukawate. Et mon père. Papa bombé en mot. Et au soukawate. Et pour ça, les papas vont l'inhabiter là en mot. Parce que ça va s'accomplir. Il voudra les vivre. Ça, j'aime beaucoup. Alita Kambo, Dieu vous asseoir. Boko Kiko Fan. Est-ce qu'à pour une fois, on peut acclamer pour la blague? Qui se souvient qu'il a pour Jésus-Christ sur la boko? Nous continuons avec la pensée sur la gerbe oubliée. Nous allons banalikani sinabiso l'ignalité ya mopiko tolipoke ya ba epio ba bosani de la blague. Depuis un temps, nous avons mené quelques petites démarches. Au bandatango encore, nous allons qui n'a qu'au tambo la réalité. Nous voulons ajouter encore une pensée ce soir. Si votre mémoire est bonne et fraîche, vous avez trouvé que nous avions expliqué la gerbe en français. C'est ça le sport de Dieu. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons expliquer la gerbe selon les Écritures. Parce que les mots de la Bible, ils sont écrits en français. Et comment on peut les comprendre en français? Là, ça ne demande pas l'interprétation. Ça demande pas le Saint-Esprit, non. Les mots de la Bible qui sont écrits en français, on peut comprendre ces mots en swahili si on est intelligent. Mais l'intelligence en elle-même, si ne peut pas nous amener à la perfection. Pour avoir la connaissance de Dieu qui nous amène à la perfection, il faut l'esprit. C'est ce que nous disons. L'explication de l'esprit, c'est ce que nous appelons l'interprétation. L'explication des Écritures par l'Esprit. Parce que vous savez avec moi que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un a l'Esprit, l'Esprit de Dieu, il donne l'interprétation des Écritures. C'est alors que la vie se manifeste. Si c'est l'intelligence seulement, on n'aura pas la crainte de Dieu. On n'aura pas compris la profondeur de Dieu. C'est ainsi qu'un jour, certaines personnes ont dit au roi, roi, l'homme que nous avons vu là, il est habillé comme ceci. Il est comme cela. Azali boy. Le roi leur dit, cet homme-là, c'est Eli. Donc, à partir de l'abîme,
Na nzela kaka yelateli, je suis pas loin. Nazali musika te. N'allez pas non plus loin. Ok, mais peu rester ici. Botika. Je suis d'abord dans ce que je dis que. Nazali na nazali koloba. Pour que la vie de Dieu. Grâce. Mais la parole y a miné mais à ma foute. Ça a dépassé l'entendement de tout le monde. Et les kera qui m'a calisé à ma tenance. Les hommes intelligents étaient là. Matenamaye les peu basala qui wa. Les hommes sages étaient là. Matenamoye à mon kili. Les hommes ont eu mais personne n'a pu donner. Côté quelque chose. Les songes. Voilà, parce que le problème du roi c'était. Donner les songes. Et donner l'interprétation. En d'autres termes, celui qui donne l'interprétation. C'est celui qui connaît aussi les songes. Était là. Personne n'était capable de donner l'interprétation. Quand le frère Joseph vient, écoutez, il dit à l'obi, les bœufs, à l'obi, pardon, mais 700, ce sont les années. Et ça dit, en voula, 100. En français, ça n'existe pas. Dans le côté français, les arakatères. Mais selon Dieu, le peu, c'est ainsi que dans la Bible, quand nous parlons de la gerbe, on peut avancer, c'est un produit des champs qui étaient sémés, les grecs qui étaient sémés, ils ont produit une tige, la tige a produit les épis. Et on prend les épis, on le regroupe. Quand on le regroupe, ça fait ce qu'on appelle gerbe. En français, la gerbe, c'est un assemblage des épis. Mais dans la Bible, ça veut dire quoi? C'est la question de ce soir. Parce que nous étudions la gerbe qui est comment? Qui est comment? Sinon vous risquez d'oublier le maïs là au village, du riz là au village, vous risquez d'oublier les haricots là au village. Vous dites bon, comme j'ai lié ça, j'oublie pour que j'ai la bénédiction. Demandez que maman vous donne d'amour et qu'elle. Les oiseaux viendront les manger et ça va s'épuiser. Vous comprenez ça? Et puis nous disons toujours qu'interpréter une écriture, c'est comprendre l'écriture par une écriture. Interpréter, ce n'est pas inventer. Non. Aujourd'hui, les moi, les docteurs Jonas, les évangélistes, les pasteurs Samuel, les pasteurs Tite, et tous les hommes de Dieu ici, tous les hommes de Dieu, les pasteurs Bruno, l'apôtre Kassoua, tous les hommes de Dieu que vous connaissez, nous n'avons pas une écriture en nous que nous allons inventer aujourd'hui. Si nous interprétons, nous nous référons à ce qui est écrit. Interpréter veut dire donner la lumière d'une écriture à partir d'une autre écriture. Voilà pourquoi la tsunamite on dit ceci. Elle doit, la tsunamite. Moi tsunamite. Elle doit marcher derrière les traces des brebis. Et ce qu'elle dit à Tambola Nassima Yabile Mouyapan en pâté. Oh là là, est-ce que vous êtes là? Ah. Si vous demandez aussi à Ruth, ce qui vont tout nous peut nous, elle peut voir les champs. À quoi comme on est là? La belle-mère peut lui dire, toi contrôle. Yo, là où cet homme dormira, ouais, moi, tu vas dormir là-bas. Okola, la kuna. Mais elle n'entre pas dans les champs comme elle l'entend. Azali Koko tate de la gande, Azali Komo. Si elle veut être bénie, elle doit être derrière le moissonneur. Si Boaz la
Nous n'inventons pas des interprétations. C'est aussi un problème aujourd'hui. Ce que tu as dit là, vous savez qu'il est écrit rechercher la paix avec tous. Vous savez ça? Oui, bien sûr. Si moi je prêche, je dois rechercher la paix avec Pierre, rechercher la paix avec, la paix avec Paul. La paix avec Jude, parce que c'est eux qui sont venus avant. Est-ce qu'on peut acclamer pour la paix? Qui connaît pour la paix? Maintenant, regardez, la citala. Nous voulons comprendre la gêne. J'ai pris un peu le chemin de tout le monde. Mais quelque part, nous allons prendre une autre voie. Revenons dans Genèse chapitre 37. S'il vous plaît. L'écriture dit. L'Igomi et l'Obibo. Nom de Dieu, regardez. Verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse 37, le verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Oui. On lit d'abord le verset 1er, après on ira au 2e. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Jacob, avant là qui n'a appelé à Canaan, où avait séjourné son père? Ici, Tata Naïe avant là qui. Pardon? Et le père d'Abraham. Et Tata voilà. Hein? Ah, vous êtes intelligents. Vous en avez les pizza. Acclamons pour la gloire. Et acclamons pour la gloire. Jacob demeura à Canaan. Jacob was avec au fond de la Canaan. Là où s'était séjourné son père. C'est-à-dire, avant de parler de Jacob, on a parlé du père. Maintenant, voyez le verset 2. Voici la postérité de Jacob. Ah, ah, regardez. Voici la postérité de Jacob. Quand Jacob, le corps Jacob est arrivé à Canaan, à combien à Canaan, à cause d'Isaac, l'icône à Isaac, Jacob aussi, Jacob, pendant sa postérité, ma principe Kitana. Vous comprenez ça? Ah. C'est-à-dire ici, ah. Moïse veut nous dire qu'avant de parler de la postérité de Jacob, il faut savoir que Jacob est sorti de quelqu'un. Dans un langage simple, Jacob, pardon, Moïse, Mose, dans Genèse 37, veut parler de la postérité d'Isaac. Mais il a aussi. C'est bien dit en Igalanaï. Voici la postérité, ça veut dire on nous donne les enfants, on nous donne la succession de Jacob. Non, non, je prends un texte pour faciliter la compréhension. Ne vous perdez pas. Prenons Ruth. Nous avons Kana na Luta, chapitre 4. Zela ya mukaponamine. Verset 18. P 19 et 20. Zela ya zomi na mwambe. Ruth chapitre 4. Verset 18. 19 20. Ruth chapitre 4. Là je suis allé chercher quoi porteur. Voilà qui est colocali. Je suis allé chercher les langages. Voici la postérité. Quand on dit voici la postérité, on veut donner les détails des enfants qui sont nés de telle ou telle autre personne. Ok. Ruth 4, le verset 18, je lis. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici la postérité de Pérez. Voici Tala Okitani et Pérez. Point. Pérez engendra Hétron. Voilà, on t'a là-bas, hein? On va monter dans Pérez, n'est-ce pas? Ah, t'es Hollanda, s'il vous plaît. On t'a là-bas, on va monter dans Pérez. On cite les enfants qui sont nés de Pérez. Vous aimez Pérez, non? On disait Pérez. T'as les enfants qui ont été monter. T'as là-bas, il y a Pérez. Maintenant, il y a Pérez. Pérez engendra Hétron. Pérez a monté Hétron. Hétron engendra Ram. Hétron a monté Ram.
Ram engendra Aminadab. Ram aboti Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Aminadab aboti Nachon. Et Nachon engendra Salmon. Voilà il dit Corbani. On cite les enfants selon que leur père les engendre. Suivez-moi, Pierre, c'est important. On cite les enfants selon qu'ils sont nés de leur père. Dans Genèse 37 aussi au verset 2. Voici la postérité de Jacob. Jacob a eu 12 fils. Oui, mais tu as compris qu'il n'a pas dans son minimum. Vous pensez comme ça? Vous savez, non? Le premier, c'est. Moi, je suis un ami. Ruben. Ruben. Le deuxième. Siméon. Siméon. Le troisième. Misak. Lévi. Lévi. Le quatrième. Juda. Juda. Le cinquième. Yamita. Pardon? Dan. Le sixième. Joseph occupe la 4e position. Onzième, je sais que vous avez beaucoup de positions de Joseph. Gardez ça. Et si je parle de l'alignement, depuis Ruben jusqu'à Benjamin, Joseph est à la 11e position. C'est ça, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui s'est dit. Voici la postérité de Jacob. Point. Malobini. Joseph. Joseph. Un. Âgé de 17 ans. Ah non. C'est, en français, c'est un échec. Dans le côté français, coquille que l'on va mater au besoin. Zéro. C'est ça, non? Un. En français, c'est zéro. Dans le côté français, ça dit Kumbutul. Mais en Dieu. Cassez pas de temps. Dans l'évangile éternel. Il y a une raison. Et ça dit, n'a pas de temps. On pouvait dire. Voici la postérité de Jacob. Jacob engendra Ruben. Jacob a bâti Ruben. Jacob engendra Siméon. Jacob a bâti Siméon. Jacob engendra Lévi. Jacob a bâti. Mais on ne cite pas tous ces gens-là. Si ma tête va colonner son père. On dit Jacob engendra Joseph. Malobi Jacob a bâti Joseph. Âgé de 17 ans. Oh, oh, la Bible. C'est compliqué. Comment tu sais tu sortes 10? Ah, tu vas seulement parler de 11. Pour moi, somme au Kenya. Parce que j'avais commencé avec Isaac. Pour être la bande qui n'a Isaac. Jacob aimait Joseph plus que tous ses enfants. C'est-à-dire dans cette généalogie, on récite les gens qui ont dit l'amour du Père. Jacob, l'amour du Père. Joseph, l'amour du Père. Est venu visiter Israël à Yakikota à Israël en Égypte. Mais si plutôt, vous savez ça? Oui, bien. Vous savez, n'est-ce pas? Oui, bien. Vous savez que Dieu a marché avec eux. Et tu as bien dans la colonne de Nasséia. C'est toujours Dieu, n'est-ce pas? Vous savez que Dieu a ouvert la mer rouge pour qu'ils passent. Mais quand ils arrivent à Sinaï, les mêmes dieux, ils se manifestent autrement. Et les pères ont même dit à Moïse, nous voulons nous-mêmes l'écouter. C'est-à-dire, pendant Sinaï, et donc, est-ce qu'on peut faire cet exercice? Prenons, prenons ça. Prenons. C'est nombre ou déterrénons 33. Voyons ensemble. Les campements. On va voir les campements. Vous êtes là, n'est-ce pas? Vous allez voir là. De toutes les façons, je me sens à l'aise, je suis chez moi. Vous allez là, qui met un point de la Zali, pas une affaire. Vous savez, quand vous êtes dans un pays étranger, vous vous retrouvez avec vos frères. C'est un grand plaisir. Et ça y est, c'est un grand plaisir. N'est-ce pas? Quand tu regardes ma capone, que le baron a mon pantia. Que je prenne ces choses et que je les dise. Voilà ma terre, ma pasteur. Bon, ma terre, ma pasteur. C'est sur les prédications des hommes de Dieu. Et là, mon cours. Et là, mon cours. Et là, mon cours. Et là, mon
tout. C'est l'agneau, les os, même les entrailles. Hein? L'écriture dit, vous les mangerez en partie. Vous mangez ça comment? En son entièreté. Mais dans l'entièreté là, chacun a sa part. S'il s'avérait, toi qui es tombé sur les sabots, mange ça comme ça. Les sentiers, c'est que je mange là. C'est-à-dire, c'est Dieu qui choisit. Vous ne faites pas les choix. Juda se retrouve maintenant. Juda Koutami. Vous connaissez Caleb, n'est-ce pas? Oui, oui, moto Caleb. Caleb s'est retrouvé. Yabikuti. Qu'il a pris le terrain où il y avait le fils d'Anak. Azungumba wa pibana anaka. Basaraki. Lui ne va pas dire. Akolobate. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Donc ça. Je suis allé chercher les campements de Sinaï. Qu'est-ce dans le campement où on est peuple qui a mon entendu tous. Montrer que c'est dans ces campements que le peuple voulait voir le Seigneur. Ok. Ici, ils ont besoin de voir le Seigneur outre ses bienfaits. Le verset premier, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les stations des enfants d'Israël. Tala, Bissika Israël, tellement, tellement. Qui sortirent du pays d'Égypte, Baïba Bima qui nous appelait Égypte, selon leur corps d'armée, Kolandisama Pina la Bango, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Kolandisama Kambami, ya Moïse et Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station. Moïse a commis et tamboli la Bango, na Babisika Bazaï côté le Bela, d'après l'ordre de l'Éternel. C'est une grande leçon aussi, mais ici nous tirons quelque chose seulement. Et voici leur station selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois. Voilà. Papa, j'aime bien écrire. Les stations. Côté les malabango, il dit qu'il partit de Ramsès. C'est-à-dire, le départ a commencé où? Ramsès. Je vous rappelle que Ramsès c'est aussi un campement. Oui. Parce qu'Israël est sorti chacun de là où il était. Ils sont venus à Ramsès pour commencer le départ. Que Dieu vous bénisse. Ça vient pour la vie. Deuxième campement. Très bien. Allez, homme de Dieu. C'est important. Ils partirent de Ramsès le premier mois. Oui. Le 15e jour du mois du premier mois. Est-ce que pourquoi nous sauté de votre campement? Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Le verset 5. Sukkot. Le ciel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes là? Oui. Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Etam. Etam à combien de temps? Troisième. Troisième. Ils partirent d'Etam et se détournèrent vers Pi Hahiroth. Ils se sont détournés. Là, ils se sont détournés. Ils ont campé où? Vis-à-vis de Migdol et campèrent devant Migdol. Ils ont campé devant Migdol. Ils partirent devant Pi Hahiroth. Oui. Et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Oui. Et ils firent trois journées de marche dans les déserts d'Étam. Oui. Et campèrent à Mara. Ils sont où ça? Ah, petit Calis, ma frère. Où ça va être? Six. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Élim. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Près de la mer Rouge. Ils partirent
de la mer rouge et campèrent dans le désert de Sin. Désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dofka. Dofka. Ils partirent de Dofka et campèrent à Alush. Alush. Ils partirent d'Alush et campèrent à Refidim. Refidim. Ils partirent de Refidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Désert de Sinaï. Regardez ce que nous allons faire. Sinaï devient quand il y a un campement. Sinaï est allé côté de la parabole. Quand il y a un campement. Quand on fait le comptage à partir de Ramsès, Sinaï devient 12e. Sinaï est allé à son minami. Mais quand on dit qu'ils sont partis de Ramsès, Ramsès, on compte si compte comme le premier campement. Sinaï compte à Soukot. Ça, c'est important la littérature. Ramsès est un campement. Beaucoup de fois, on a apprécié que Ramsès n'est pas un campement. On va savoir pourquoi on n'appelle pas campement et pourquoi on l'appelle campement. Amen. On ne va pas l'appeler campement. Dans le contexte où ils ont quitté, d'où ils étaient, alors c'est pourquoi on va mais on va mettre campement. On l'appellera aussi campement. Parce que Israël pour habillement. Parce que Israël pour ce qu'il faut rassemblement partout. Il faut que rassemblement de tous se fasse à Ramsès. Est-ce que vous comprenez cet ordre là? C'est ainsi que j'ai dit que Ramsès, oui, ça est Ramsès. Il est le point de départ. Si comme qui est compté deux par autre est compté un. Et si comme n'a pas reçu ce temps là stationnement y a l'imposo. Si Sikot est compté un, ce qui Sikot est un même côté. Si Naïe est un cancer, si Naïe est un cancer, y a pas mis. Hein? Y a son cancer. Côté le verso, y a côté à la réalité à la vie. C'est pourquoi nous prêchons dans l'évangile 11. C'est aussi 12. Et ça dit. Je vais expliquer ça. Joseph, c'est le 11e. Joseph est allé à ce qu'il a fait. C'est le 11e. Est-ce que vous croyez que c'est le plus grand amour du Père? Vous avez dit ça va être que pour lui amener la tata pour les cas. Onzième, c'est aussi 12. Comment? Une femme vient. Moi, si mon quoi par derrière. Mais avant qu'elle ne vienne, le maître va pour guérir un enfant quelque part. Je parle de Jaïus. Je parle de Jaïus. Il va où? J'ai Jaïus. Et pas Jaïus. Guérir qui? Une fille qui était malade, qui était morte, depuis combien d'années? 12 ans. L'âge de l'enfant, c'est 12 ans. Une autre femme aussi, avec la perte de 10 ans, vient et touche le Seigneur. Aujourd'hui, ce toucheur, Sarah qui était stérile, j'aime ça, ne sera plus stérile. Vous avez compris ça? Le Seigneur aussi se rencontre avec la femme samaritaine en plein jour. C'est ça, non? Ça signifie que la femme samaritaine va servir Jésus dans la joie. Parce que le Seigneur ici ne se reposera pas si moi je pas qu'on le repos. Mon repos dépend de son repos. Si moi j'avais dans les repos, lui va se reposer. Voilà pourquoi je vous dis, les 11 c'est aussi 12. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez saisi? On avance encore. On avance. Si Sinaï c'est le 11e, et au 11e campement, qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple veut voir Dieu.
c'était le peuple avait entendu. Ils ne veulent plus que ça reste d'entendre. Les apôtres. Que ça ne reste plus d'entendre. Le Seigneur que nous avons dans Sinaï, le peuple voulait le voir. Ah, je peux en parler dans des dimensions. Mais le temps nous manque. Le temps nous manque. Vous comprenez que on ne peut pas voir Dieu si Dieu ne vient pas à nous. Ça, c'est le 11e c'est ce que dans Genèse 37, on dit Jacob. Jacob, la postérité c'est Joseph. Oui, ça dit qu'il Joseph. Ah, ce soir, pourquoi les noms? Je sens mon cœur te dire. Ça dit qu'on a monté mal à côté. Et Dieu t'aime. Toi, yo, tu es la postérité de Jésus. Vous avez qu'on quitte à l'Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Des amis Paul au couloir. Il dit vous, allez, binon, frère. Comme Isaac, le corps Isaac, vous êtes fils d'Abraham. Vous allez pas là, pas là. Toi, yo, tu es la postérité de Dieu. Vous allez quitter la Zambie. Ça dit que Dieu t'aime. Même si certaines personnes, Atabatomisus, te haïssent. Certaines personnes, Batomisus, en foutront de toi. Et la vie est comme ça. Je vous dis que la vie est comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Pour nous comprendre que, c'est pour que tu comprennes. Dans le monde les choses sont comme ça. Mais ce n'est pas que toi tu les haïs aussi. Nous nous avons le verset qui dit aimez vos ennemis. Vous comprenez? L'écriture dit quand il a faim, donne-lui à manger. Il manque à ses petits, donne-leur. Ici dans la sainte doctrine, nous n'enseignons pas la prédication qui dit ils sont devenus des égoïstes. Pourquoi? Parce qu'ils perdent dans l'état d'âme. Toi aussi. Quand on te regardait, on est Dieu sorcier, peut-être ou sorcier. Amen. Il ne prospère pas ça. Et puis, j'en suis à ça, le talent de trois fois. On t'a même mis. On a même mis le cauchemar que tu es sorcier. À Camille, on t'a dit, mais dans le travail. Comme encore. Mon toit boy comme mes parents à l'hôpital.
parce que ma paix c'est une prophétie que maman a dit non dans le cas. Il a refusé d'amener sa mère à l'hôpital parce qu'on lui avait prophétisé que c'est ta mère qui est en train de s'emmener à l'hôpital au Cameroun. Si tu l'amènes à l'hôpital, il va bloquer tes finances. La zone sont attaqués au même été. Même si tu ne l'amènes pas. Si tu n'as pas dit, moyen, il y a aucun amour. Il a tout le moyen de bloquer ce final. J'ai dit sans en tant que si tu n'as pas dit, mais sans en tant que si tu as dit, tu as le verset. On a le bon coran d'amé. Tu es dans la Mumba monnaie. Tu es dans une grande. Et Mumba est contrôlé par les seigneurs. Et la ville est contrôlée par Dieu. Dans 6 mois, ça te personne ne va te toucher. Si quelqu'un me comprend pour ce soir, je vais déjà finir mon propos. Parce que je veux que nous prions fortement. Peut-être que ça me fait la je termine par dire, vous êtes les produits de l'amour de Dieu. Si je suis les produits de l'amour de Dieu, je crois que le mariage, il me répondra facilement. L'argent, bon, il me le donnera. À couper sa carrière. Parce que ce qui était le plus précieux, oui, tu es qui m'a tué. Ce qui était le plus important, oui, frère, qui m'a tué. C'était qu'il donne sa vie pour moi. Ça couper sa carrière pour la que Dieu vous bénisse. Ah. Poursuis-moi un peu, poursuis-moi un peu. Je vois qu'il y a un peu de temps, j'ajoute un petit rien. N'a pas qui sait comment quoi à mon. Regardez, Otan. C'est Joseph là. Joseph, voilà. Qui avait le plus grand amour du Père. Ma frère me demande pourquoi plus grand amour. Parce que l'écriture ne dit pas que Jacob aimait seulement Joseph. Non. L'écriture dit Jacob aimait Joseph. Plus que voilà. Koleka. Est-ce que vous êtes là? Amen. Restez pas, avançons un tout petit peu, Accordez-moi quelques minutes. Plus que ses autres fils. Ça veut dire quoi? Les autres fils. Jacob les aimait aussi. Il y avait l'amour. Quand Dieu fait donner de la manne au peuple dans les déserts, c'est l'amour. Quand Dieu ouvre la mer rouge pour qu'il passe, c'est l'amour. Mais la différence avec Joseph, c'est le plus grand amour. Or, le plus grand amour consiste à donner sa vie pour son frère. Plus que. Et dans cet amour-là, voyez ce qu'il a fait. Il prend une tunique de plusieurs couleurs. Je ne parle pas de la tunique aujourd'hui, c'est une leçon que vous connaissez. La tunique de plusieurs couleurs. Oui. Si le père aime le plus, après ça non mangé. Il ne va pas donner d'abord l'argent. Son papa l'indi koleka. Si le père t'aime le plus, il ne commence pas d'abord par le vêtement. Il commence par le vêtement. Et l'amba wana. Et c'est et ça va couler les belles. Qu'il soit de plusieurs couleurs. Et on appelle ça tilique. Si le père aime plus, il donne d'abord la tunique. Et nous nous croyons ce soir que l'évangile que nous avons, c'est la tunique de plusieurs couleurs. C'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que vous croyez comme ça? Vous allez continuer à voir. Je peux aussi changer ça, n'est-ce pas? La tunique de plusieurs couleurs. Quand on met ça, on trempe ça dans le sang. On ramène chez le père.